Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'allais partir surfer un petit fond dans mon petit journal et je me suis dit, eh ben, ce serait sympa de le partager, puisque je vais aussi tester des nouveaux outils en fait pour faire mes fondus. J'utilisais ce genre de choses. Voilà. Le temps de me retourner pour les attraper. Donc, vous voyez que les mousses, elles sont déjà pas mal abîmées. Il y a des trous, des creux. Des fois, j'ai des petits morceaux qui partent sur mes créations et ça peut être un peu gênant. Alors surtout la bleue parce que voilà, j'adore le bleu, donc voilà. On voit il y a des petits trous dans la mousse. Et quand on utilise des pochoirs, en fait, on vient racler contre le bord et ça abîme. Et le résultat est parfois pas génial. Donc je voulais essayer. Je pensais que ça c'était des diffuseurs à mousse quand je les voyais sur les vidéos des autres. Et quelqu'un a dit le mot brosse et je me suis dit tiens, faut que je vérifie. Et en fait sur les images souvent c'était des photos et on voyait pas que c'était des brosses en fait. Ça aurait pu être des mousses. Alors qu'en fait c'est bien constitué de poils. Et ça m'intéressait beaucoup plus pour plusieurs raisons. Déjà, les mousses qu'on met sur les petits embouts comme ça, elles s'abîment. Alors moi, je les utilise assez longtemps, mais à mon avis, un peu trop longtemps, et je les utilise trop. Deuxièmement, il faut les changer. Et c'est vrai qu'en termes de place, si on les range dans un pot, ce qui est mon cas, puisque je les range... Ah, oh, j'essaye de vous décrocher le truc, mais... Ça fonctionne pas. Là, j'ai mis celle-là dans ce pot-là et je vois qu'en fait, je peux largement remettre d'autres choses sur la moitié du pot. Je mets des séparateurs, je les fabrique. C'est pareil, je vous montrerai. C'est un truc qui est très simple à faire. Voilà. Ici, j'ai six supports comme ça. Et là, on a déjà 3, 6, 9 brosses. Je devrais en avoir 10, tiens. 10 brosses, j'ai déjà 10 brosses et ça prend beaucoup moins de place. Donc il y a cette histoire de place, il y avait éventuellement la maniabilité. Est-ce que c'est facile à manier, à bouger, etc. Et puis on va voir le résultat parce que je me suis dit avec des brosses comme ça, logiquement les poils vont pas être abîmés par les bords du pochoir. Et comme il fallait beaucoup appuyer avec les mousses, je me suis dit ce sera peut-être moins fatigant pour la main, puisque j'ai des douleurs entre autres au poignet et aux doigts et notamment aux deux doigts de la pince. Donc je commence à mettre ça en place, je me dis bah tiens, allez hop, on va faire une petite vidéo. Donc voilà l'introduction. Et maintenant on va partir vraiment sur la suite. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis sur le bord parce que tout le long, généralement, je le fixe juste. Alors, la plupart du temps, je le fixe pas parce que je fais une toute petite partie et ça suffit. Mais là, j'ai vraiment fixé tout le long parce que le masking tape, pour le coup, vraiment du scotch de masquage, va me permettre de masquer cette partie-là et de garder cette partie-là normalement intacte pour, enfin intacte, hein. Théoriquement intacte pour la création suivante, puisque je ne fais pas une double page. Sur l'autre, je ne suis pas du tout obligée de tout recouvrir. Voilà, j'ai changé d'avis, c'est pour ça que je suis en train de remballer mon truc. Par contre, je vais quand même le fixer un petit peu. Mettre un petit truc pour que ça bouge pas trop. Et ce qu'on peut faire si on le souhaite, c'est... Hop! Ça, c'est l'habitude, parce que je suis une grosse brute. Je suis une grosse brute, donc quand je veux vraiment un résultat sur tous les bords, il faut le fixer quoi. Vous imaginez pas ce que je peux arriver à péter accidentellement. Voilà. C'est pas grave d'être une grosse brute. Le tout, c'est de le savoir et d'ajuster sa manière de fonctionner. Alors, pour la suite de la réalisation, je vais utiliser mes encres. Easy-ink. Alors vous inquiétez pas, au fond j'ai collé un carton pour rigidifier l'emballage qui me plaisait beaucoup, pour qu'il soit plus facile à attraper et à déplacer en ayant tout dedans, ça évite qu'il se plie et que je me retrouve avec tout par terre. Et les chats qui prennent les encreurs et qui les balancent partout et qui mordent dedans et qui finissent par réussir à les ouvrir et qui ancrent le sol. Voilà. Et à ma voix, vous savez que c'est du vécu. Alors, l'eau, je veux partir sur un reflet, sur des reflets dans l'eau. Je vais choisir les couleurs qui me parlent, si j'arrive à les attraper. Hop. De l'outre-mer, mer du Sud,
océan. Et j'ai prévu également un petit peu de jaune. Hop, voilà. Pour faire quelques reflets. Des fois, avec le soleil, on tourne à des petites pointes de lumière que j'aime bien. C'est parti pour le test. Alors, la dominante, ça va quand même être outre-mer, je pense. Alors, avec les mousses comme ça, il faut tamponner sur un truc parce que sinon ça marche pas. Enfin, en tout cas, avec moi, ça ne fonctionnait pas. Je ne sais pas si les autres réussissaient à prendre directement sur l'encreur, mais moi, ça marchait pas. Donc là, justement, ce qui m'intéresse, c'est de tester si on peut l'utiliser de manière plus simple, genre en faisant ça déjà, pour charger en couleur. Hop, on va regarder ça. Est-ce que ça charge? Donc, je frotte un peu comme une brosse à dents, là. C'est une brosse. Et on va voir. Pareil, avant, il fallait aussi venir frotter un peu pour diffuser la couleur et ne pas avoir des pics, des zones trop intenses. Donc, je commence quand même tout doucement. Alors, je commence doucement pour... J'ai pas appuyé trop fort. Et j'augmente la pression au fur et à mesure. J'essaye d'aller un petit peu dans tous les sens, mais sans grande préoccupation. Vous voyez le dépôt, la couleur se dépose bien. Là, il est temps de recharger. Toc, toc, toc. Alors, là, j'ai fait une petite empreinte, effectivement. Parce que j'ai fait toc, 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 puis après, j'ai fait plaf. Donc, je vais recommencer, mais un peu plus doux l'arrivée. Sur le papier. Bonjour. Hop, hop. Peut-être en passant sur les bords. Je suis pas sûre. Donc là, c'est pareil pendant un moment. Alors, je trouve qu'effectivement, le résultat, pour l'instant, me semble meilleur qu'avec les mousses. Moins fatigant aussi. C'est pas encore génial, notamment l'index. J'aurais dû prendre ce qu'il me fallait pour protéger. Et que l'utilisation d'un truc intermédiaire pour venir diffuser la couleur au sein du support est beaucoup moins utile. Il y a un autre problème aussi avec les mousses qui moi m'a embêté. Ça dépend peut-être des marques, je ne sais pas, mais j'ai retrouvé avec deux marques, en tout cas c'est les deux que j'ai utilisées. C'est que les premières utilisations, elles bouffent énormément d'encre en fait. Donc c'est quand même un peu chiant quoi. Et surtout que, alors moi je les change quasiment pas, mais elles sont bien trouées quoi. Et elles ont tendance vraiment à faire quand même pas mal des impacts. Si on n'arrive pas délicatement, en faisant des petits ronds par le côté, là j'ai commencé en plein milieu quand même, avec des mousses, on... voilà. Mais voilà, j'ai pris le risque, hein. Ces journaux, ils me servent. Moi, je suis pas artiste. Je vends rien au point de vue artistique. Je m'en fous. C'est parce que j'ai constaté que c'était bon pour mon équilibre mental, ma santé mentale, que ça m'éclate et que avec la maladie et le handicap, je vis une phase difficile de ma vie. Donc, je suis passée de allez deux 3 heures de créativité par semaine à presque ça tous les jours quoi. Mais sinon on s'en fout, c'est pas. Tant que c'est pas commercial, professionnel, faites-vous juste plaisir, on s'en fout que ce soit moche, du moment que ça vous amuse, du moment que ça vous fait plaisir, du moment que c'est. Ça ne retire rien à personne, ça ne gêne personne, ça n'abîme personne. Let's go. S'amuser. Oups. Eh, j'ai mis ça pour protéger et qu'est-ce que je fais? Je blaffe. Oui, ça pigmente bien. Ouais, comme je disais, je suis super dans la droite. C'est un niveau pathologique, hein, c'est de la dyspraxie, c'est gros problème de proprioception, c'est tout ça. Donc voilà. Alors. Le résultat, il est vraiment beau pour l'instant. Ouais, on a un fondu qui est beaucoup plus facile à faire. Je vais continuer à disposer un peu la couleur. Je mets en pause et je reviendrai travailler aussi les autres couleurs après. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est changer de couleur. Je vais prendre. Donc là, c'était l'outre-mer. Mais encore une fois, moi, je vous dis les noms quand je les ai sous les yeux, mais on s'en fout. Prenez
ce que vous avez, ça, moi, ça m'évoque un fond d'eau, mais vous pouvez mettre, je sais pas, moi, de la peinture, au lieu de l'encre jaune sur un fond noir. Non, c'est le contraire pour les girafes. C'est des... Ouais, enfin bref, vous pouvez faire d'autres couleurs. Voilà. Faites, amusez-vous, et puis voilà. Puis après les eaux, je suis désolée, mais bon, en Bretagne, dans les Caraïbes, pas forcément la même couleur. La dernière fois, je me suis fait disputer par les Corses, parce que j'ai parlé de couleurs de... Et qu'il y a toutes les couleurs en Corse, et qu'il faut pas oublier qu'il y a toutes les couleurs en Corse, y compris la couleur un peu plage tropicale, turquoise et tout ça. Oui, c'est vrai, tout à fait. La Corse est merveilleuse, la Corse est magnifique, la Corse est superbe. Voilà. J'approuve ce message, je ne suis pas menacée. Non, ceci dit, la Corse, c'est vraiment superbe. Donc là, je vais mettre des zones un peu plus sombres pour donner de la dimension de l'espace. J'essaye de commencer un peu sur les bords au niveau des cellules et de venir frotter en n'ayant pas un pouf, impact direct en plein milieu d'une cellule parce que ça a tendance à marquer un peu quand même, moins qu'avec les mousses, beaucoup, beaucoup moins qu'avec les mousses. Mais quand même. Faites attention à vos articulations parce que c'est quand même ça sollicite. Ça sollicite bien les doigts et bon, il y a des scrappeuses jeunes, mais je sais qu'il y en a aussi pas mal qui sont âgées, qui peuvent avoir de l'arthrite dans les mains et même on peut avoir de l'arthrite jeune, hein, ce qui est mon cas d'ailleurs, mais enfin de l'arthrose moi. Je suis trompée de moi, désolé. Mais il y a plus de risques avec l'âge d'avoir des douleurs articulaires, quoi. Même si on peut en avoir à tout âge. Et faites quand même attention à protéger vos mains. Si vous avez mal, parlez-en à votre médecin, kiné, des choses comme ça. Et puis essayez de pas trop forcer et de trouver aussi pour votre dos, pour votre nuque, parce qu'on travaille beaucoup penché, des positions qui seront plus saines, qui solliciteront de manière raisonnable et qui vont pas vous faire mal. Je sais que je suis sur plusieurs groupes de créa et par exemple celles qui font de la couture, du crochet, très souvent de la broderie. Oh mon Dieu, des raisons pour lesquelles je ne fais pas de broderie. Ça fait beaucoup trop mal à la nuque. La tête est très penchée en avant, c'est hyper douloureux quand on a des problèmes de cervicale. Donc pensez à prendre soin aussi de vos postures. Je sais, à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de parler santé mentale, santé physique. Faites société. Mais pour moi, la créativité, c'est intimement lié à notre fonctionnement et à d'autres choses, quoi. C'est pas juste des jolies choses ou des pas jolies choses d'ailleurs. C'est de la vie. Alors, hop. Je vais continuer un petit peu avec celui-là et je vais commencer à entamer un peu les turquoises. Alors, je vais juste remettre enfin, mettre plutôt quelques petites touches de jaune. Hop. Ah, bonjour Séraphin. Beaux yeux, toi. Alors, je commence dans un coin, je pense que... Ah bah tiens, bah voilà. Alors, voilà ce que je vous disais sur le fait de scraper avec un chat. Ouais. Enfin, on en a trois. Allez. Je peux foutre ton encreur par terre? Ben non, mon chéri. Est parti faire ses griffes sur le fauteuil de mon mari. Compensation. Je trouve que le fondu se fait bien aussi. Ça, c'est vraiment un truc que je voulais voir. Alors, du coup, la brosse se teinte un petit peu de vert plutôt que du jaune, puisque en dessous il y a du bleu. Mais c'est pas parce que les poils sont teintés qu'il y a transfert de couleur. Parce que je compte pas les laver. Hein. Je réutiliserai les teintes proches. C'est pour ça que j'avais sorti trois brosses.
Il y aura les bleus. Le vert là, ce sera un peu plus les turquoises, mais au final, c'était vraiment des bleus quasiment. Donc là, je fais un peu un reflet jaune sur une partie. On va mettre un petit peu là. Faire quelque chose un peu plus vibrant, avec des couleurs qui varient un peu. Et on va enfin arriver au moment tant attendu, le résultat. Voilà, ça me plaît. Je rencre, je rencre, je range, je ferme mon encre, notamment avant qu'un chat dise, mais c'est trop drôle de jouer avec ça! En plus, ça fait des taches, c'est trop fun! Allons trimballer partout et finalement le ranger dans le lit. Non, c'est pas ça. Alors. Oui, voilà. J'avais bien qu'il y en a un morceau quelque part. Ça, vous n'êtes pas obligé de les jeter après un seul usage. Moi, je sais que je les conserve quand je suis en bon état. Je les réutilise 2, 3 fois. Et on arrive au résultat. Eh ben, c'est nickel. Les bordures sont vraiment bien respectées. Je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Alors. Déjà commencé par zoomer, mais après je le montrais, parce que des fois il a des petits soucis de focus. Donc, si vous regardez, vous voyez. Alors pareil, on ne voit pas les petits points, en fait, c'est un journal à points, mais ça n'apparaît pas sur retour caméra, mais je vous le montre de près. Enfin, ça, c'était la tâche de brosse. Le papier, pas de souci avec le masking, un tout petit peu, à peine un tout petit peu abîmé, mais rien du tout. Ici. On a vraiment un fondu nickel et les bords sont parfaits. Il n'y a pas de tache, ça ne déborde pas. Parce qu'il y avait ce problème-là aussi avec les mousses quand on manque de délicatesse. Ça avait quand même vachement tendance à soulever le bord du pochoir, ce qui n'est pas le cas avec les brosses. Donc je comprends l'engouement des scrapeuses qui sont passées des mousses aux brosses, pardon. Et je pense que je vais faire pareil. Puis je verrai mes mousses à quoi elles me serviront. Parce que j'ai toujours des projets pas possibles. Donc on retrouve moyen d'utiliser ça. Allez, comme vous avez été patient en 17 minutes pour ça, je vais vous montrer rapidement un petit truc que je vais faire avec ce fond. Donc dans mon mix média, j'ai été récupérer dans mon matériel de ponçage, c'est des lames, des limes, des feuilles déjà prédécoupées en petite taille, des grandes feuilles, une petite brosse aussi pour dégager le bois ou l'autre truc que je suis en train de poncer pour enlever un peu le plus gros. Et je suis allée récupérer une feuille de ponçage qui est jaune pour faire du sable en fait. C'était un peu mon idée derrière tout ça. Bonjour. Alors, là je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais foutre un autre morceau, je vais déchirer. C'est aussi pour ça que j'ai pas fait trop attention sur Alors, cette partie-là. Ah, je sais. Faire comme ça et comme ça. Donc je fais exprès de déchirer et surtout de ne pas couper pour avoir quelque chose d'irrégulier. J'ai déchiré un peu trop. Un peu trop bas. Ouais, c'est ça. Hop. Voilà. Bon. Et là. Bah, ouais, en fait, Comme ça. J'essaye de pas avoir trop de double épaisseur parce que à la fin du journal, ça commence à devenir difficile à manier quand on a beaucoup d'épaisseurs qui se mettent les unes au-dessus des autres. Voilà. Donc si on a un petit trait, c'est pas grave, je collerai un découpage de coquillages, de poissons, de je sais pas quoi. Mais grosso modo, voilà ce que ça va donner. Fond de page, tout prêt pour un thème plage, mer, etc. Prêt à accueillir une petite bouée, des poissons, des coquillages, un petit tag, des photos de vos vacances, de l'été, tout ce que vous voudrez. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser plein de ressources auxquelles on ne pense pas, comme par exemple déchirer et coller du papier de verre pour faire le sable de la plage. Tout est possible.
vous pouvez utiliser. Je sais que par exemple dans mes matériaux de scrap, il y a des cure-dents, des cotons-tiges, brosses à dents. Ça, c'était la partie on a piqué ça dans la salle de bain. Il y a des morceaux d'éponge qui viennent de la cuisine. Il y a des bouts de tissu qui viennent un peu de partout pour frotter, pour fondre, pour nettoyer mes cochonneries aussi beaucoup, beaucoup. Voilà. Tout est possible, on peut utiliser de l'alcool, on peut utiliser de l'eau, on peut utiliser des... Alors les huiles, moi j'aime pas, mais c'est aussi une possibilité dans les encres. Il y a de la peinture à l'huile, par exemple. Faites-vous plaisir, amusez-vous. Si c'est pas beau, c'est pas grave. Ça ne pose aucun problème. Moi, ce que j'ai vraiment envie de vous transmettre comme message, c'est amusez-vous. Amusez-vous, créez, prenez le... Juste osez faire. Et j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite des beaux moments créatifs et une bonne journée, bonne soirée, bonne semaine, bon mois. Bye!